Donnez-moi la main, s'il vous plaît. Bon, alors t'avances, oui. On va faire la revanche au tennis. Oh non, il faut rentrer maintenant, il est trop tard. Bon, eh bien moi, la prochaine fois, c'est moi qui arbitrerai. Car tu as un peu trop tendance à juger bonne toutes les balles de Marjorie. Mais pourquoi me favoriserait-il? Tu le demandes? Allons, pas que de ménage. Ne gâchons pas une aussi belle matinée. Allez, allez. Ça me va arriver, je dois me changer. Ne vous attendez pas trop, allez, à tout à l'heure, les enfants. Ciao. 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 Allons-nous changer, nous aussi, Sam Kramer arrive, soyons à notre avantage. Et qu'est-ce qu'il a donc de si extraordinaire, ce type-là? D'après la rumeur, on dit qu'il a du charme, de la distinction, du mystère. On dit que les femmes l'apprécient beaucoup. On dit aussi qu'il est plein de fric, mais personne ne sait vraiment de quoi il vit. De sa fortune personnelle. Les aventuriers ont toujours exercé une étrange fascination sur les femmes. Viens ici, le petit Sussu. Viens vite, toi, maman. Vite, Arthur. Chérie, viens voir maman, viens. Oh, c'est fini, viens. Allez, viens voir là. Oh, comme ton cœur bat, mon chéri. Mais qu'est-ce que c'est que ce dingue? Vous ne savez donc pas qu'on ne prend jamais assez de précautions avec les chiens et les enfants? On les tient en laisse. Vous êtes inconscient ou quoi? Rouler en ville à cette allure? Qu'est-ce que vous cherchez à faire? À bourrer les hôpitaux? Ah, je vous signale que c'est moi qui ai failli me retrouver à l'hôpital, à cause de cette adorable petite bête. Heureusement qu'Arthur était là, parce que tout de suite après le virage, c'est le port. Et vous faisiez glou-glou. Alors merci, Arthur. Et toutes mes excuses. Retirez votre voiture de là. Ça fait désordre. Assassino! Je suis sûr qu'elle adore les bébés phoques. Mais avec les hommes, un peu brusque. Monsieur Kramer, comme je suis heureuse que vous ayez pu venir. Jusqu'au dernier moment, nous avons craint que vous ne vous décommandiez. Pire qu'un manque de tact, c'eût été un impardonnable manque de goût. Je me faisais une telle joie de ce week-end. Bertini et mes amis sont très impatients de vous connaître. Mais moi de même, croyez-le bien. Venez. Si vous le permettez, j'aimerais prendre une douche. Ces longues randonnées ont leur charme, mais je me sens terriblement poussiéreux. Diego, prenez les bagages de monsieur. Ça m'a paru une éternité. Je suis certaine que tu te souviens à peine, mais... Mais voyons, Rosanna, tout de même, pas dans cette maison. Il faut conserver les convenances. Je me souviens que de 3 jours merveilleux. Et puis un beau matin, ça m'est parti envolé. Mais Dieu merci, maintenant tout va bien. Avec Bertini, tu ne manques de rien. Dans le commerce des armes, il n'y a pas de morte saison. Aussi... Vaut-il mieux éviter toute familiarité qui risquerait de lui déplaire, hein? C'est un tyran, un redoutable despote. Je n'ai rien, absolument rien à moi. Il me considère comme sa propriété. Je ne suis rien d'autre qu'un élément décoratif. Un ornement qui flatte sa vanité. Vous n'avez pourtant rien d'une pauvre petite créature sans défense. Vous n'êtes pas si fragile. Si quelqu'un doit dévorer l'autre, je suis sûr que c'est Bertini qui sera croqué. Tu me surestimes? Du tout. C'est ce qui fait votre charme. Vous me suivez, Sally? Oui, ça va. Bon, continuons.
qui vous seront livrés, comme d'habitude, en conteneur par bateau. Pistolet mitrailleur ou mitrailleuse lourde? C'est pour savoir si ça s'écrit avec E ou EES. Les deux. Ah bon? Et débarquer. Encore EES? Aucune importance. Schumester a appris le français avec un légionnaire hongrois. Et il est suisse-allemand. Je croyais qu'ils étaient neutres, les Suisses. Ah, pas dans le commerce. Bon, allez, assez de commentaires, enchaînons. Débarquer à la fin du mois dans le port de Jakarta. Ah, ce foutu port a un nom impossible. Voulez-vous regarder là-haut dans le dictionnaire Jakarta? Avec un D. D comme dynamite. Alors, ça suffit? Satisfait? Vous avez bien vu? Merci. Federico, je te présente Sam Kramer. Comme tu n'en finissais pas de dicter ta correspondance, nous sommes venus. Soyez le bienvenu, Monsieur Kramer. Très heureux de vous connaître. Plaisir partagé, Monsieur Bertini. J'espère que tu n'en as plus pour longtemps. Tout le monde t'attend. Pardonnez-moi, j'ai quelques ordres à donner. Ah, Sally Caron, ma secrétaire, Monsieur Sam Kramer. Nous nous sommes déjà rencontrés tout à l'heure en ville. Oui, il a failli écraser Arthur. Le hasard est grand. Et fait parfois bien les choses. C'est un point de vue, Monsieur Crater. Kramer, Sally. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Sam Kramer. Non? Qu'est-ce qu'il fait? Monsieur Kramer est un homme riche, une personnalité, un grand voyageur. Vous ne lisez jamais les journaux? Non. Les sports, la politique, rien de tout ça ne m'intéresse. Et qu'est-ce qui vous intéresse? À part Arthur, évidemment. Excusez-moi, mais je dois chercher le nom du port de Jakarta dans le dictionnaire. Tunjung Priok. C'est ça, oui, c'est ça. Merci, mon cher. Vous pouvez répéter? Tunjung Priok. Et ça s'écrit? Comme ça se prononce. Vous ne trouvez pas que c'est un petit peu usé, non? Excusez-la, mais parfois la tendance à l'agressivité. Oui, oui, j'ai déjà remarqué. C'est une enfant qui a du caractère. Hein? Vous pouvez me l'écrire? Avec plaisir. Merci. Soyez gentille d'aller taper le courrier, ma petite Sally. Bien, monsieur. Oh, au fait, c'est pas vous qui avez descendu les chutes du Niagara dans un tonneau? Non, mais si j'étais vraiment sûr que cela puisse vous faire plaisir... Vous savez, il en faut plus pour m'impressionner. Elle est charmante. J'ai été abandonné par mon ancienne secrétaire au cours d'un voyage. Ah. C'est une intérimaire que j'ai ramenée de Paris, une ancienne danseuse des ballets Kisling. Je crois qu'elle a eu des mots avec le chorégraphe. Ah, ça vous m'étonnez. Vous prenez un verre? Volontiers. Ah. Oh, dans mon coffre-fort, j'ai une petite merveille et j'aimerais bien avoir la vie d'un connaisseur tel que vous. Tout va bien. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de l'avoir invité. Pourquoi? Nous devions faire en sorte que Bertini ne s'aperçoive de l'échange que le plus tard possible, lorsque nous serions loin. Une anicroche peut toujours arriver. On ne prend jamais assez de précautions. Tu as invité beaucoup de monde à cette soirée? Beaucoup, pour qu'il y ait une certaine animation. J'ai invité aussi le commissaire de police. Mais t'es folle? Non, au contraire. Si tout se passe bien, aucune importance. Mais si c'est pas le cas? Avec la réputation de Sam Kramer et les innocents passe-temps qu'on lui prête, c'est lui qui sera le suspect.
une belle pièce. Ça doit valoir une petite fortune. $1 million, mon cher. Je ne suis pas aussi connaisseur que vous l'imaginez. Je me suis fait rouler je ne sais combien de fois par les diamantaires, moi. Vraiment? Oui, les légendes se bâtissent, on ne sait trop comment. Même moi, je suis un homme simple qui aime la bonne chair, les bons vins, les jolies femmes. Il n'en faut pas plus pour que circulent les ragots les plus ahurissants. Mais vous ne les démentez pas. Monsieur. Bravo. Maintenant, Sally, vous n'avez plus qu'à tout retaper. Ça, sûrement pas. Elle l'a fait exprès. Pas d'excuses, ne discutez pas, allez le retaper, Sally. Mais j'en ai encore pour une heure. Donnez-le-moi, je vais le faire. Oh, vous, laissez-moi tranquille, c'est pas le moment. J'adore taper à la machine. Et puis, je vais voir si je n'ai rien perdu de ma rapidité. Permettez? Oh, si ça vous amuse. Non, alors. Venez vous installer sur la terrasse pour que vous profitiez un peu du soleil. Je vais porter la machine. Non, non, je vous en prie, laissez. Pourquoi faites-vous ça? C'est gentil. Pour vous éviter de montrer encore vos cuisses à ce vieux porc. Ça le prend souvent, ce caprice? Oh, il ne me l'a pas demandé. Il m'a fait monter sur une échelle et il était en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parfaitement. Alors, je préférais lui montrer une bonne fois et qu'on en finisse. Vous étiez danseuse, paraît-il. Oui. Mais vous savez, les maîtres de ballet, c'est la dictature. Hein? Alors, quand on a un peu de personnalité... Oui, et ça, vous en avez rarement. Installez-vous. Merci. Vous n'avez tout de même pas l'intention de continuer à travailler avec ce boucher, ce marchand de canons? Vous savez, dans l'intérim, on prend ce qu'on trouve. Moi, j'ai pas de fortune personnelle. Je dis pas ça pour vous vexer. Voilà. Bon, alors, là, vous faites très attention à la marge et aux interlignes, hein, oui. Parce qu'il est très, très maniaque là-dessus. Et puis là, vous laissez une grande place au-dessus de son nom. Il a une signature énorme et tarabiscotée. Voilà. Bon, je vais nager un peu. Bon courage. Merci. Ne les excitez pas trop, hein. Si quelqu'un m'ennuie, je vous appelle. Jeune fille de la maison. Où étiez-vous passé? Tout le monde vous cherchait. Je cherchais mes boutons de manchette. Le patron a été très content de votre travail. Et ça donne droit à quoi? Oh, monsieur grand-mère, pas de vilaine pensée. Rosanna, pardon, vous êtes éblouissante. Une reine portant les joyaux de la couronne. Vous devez exciter bien des convoitises.
Rien à craindre, je suis bien gardée et sous surveillance. N'est-ce pas, Frédérico? Mm-hmm. Rosanna, tu veux venir? Je voudrais te présenter Luigi. Excusez-moi. Vous êtes un homme comblé, Bertini. Une femme ravissante. Mm. Un superbe bijou. De quoi provoquer, en effet, bien des convoitises. Mm. C'est pourquoi celui-ci est faux. Faux? C'est une copie de celui que je vous ai montré dans ma bibliothèque tout à l'heure. Une parfaite imitation, n'est-ce pas? En effet. Mm. C'est à s'y tromper. Le vrai ne sort jamais de mon coffre-fort. Il faudrait posséder la combinaison ou avoir un doigté exceptionnel. Mais vous ne soupçonnez tout de même pas Rosanna? Quand on a, Monsieur Kramer, le goût des très jeunes femmes, on peut toujours s'attendre à ce qu'un jour ou l'autre, elle file en emportant l'argenterie. Pas qu'elle en fait un peu trop. Mais elle a du tempérament, cette fille-là. Ah, mais c'est... C'est vraiment dommage qu'elle ne soit pas aussi douée pour taper à la machine à écrire. Aurait-elle d'aussi jolies jambes? Vous venez danser? Hmm? Oh non, non, merci. Mes rhumatismes. Moi aussi, je peux en faire autant, vous savez. Cher ami, si le cœur vous en dit, elle ne demande que ça. Elle le demande même avec un peu trop d'insistance. Le commissaire. Oh, bonsoir. Bonsoir, le commissaire Orsini, monsieur Sam Kramer. Enchanté, commissaire. J'ai beaucoup entendu parler de vous, monsieur Kramer, par certains de mes collègues. Ah oui, je donne beaucoup pour les œuvres de la police. Frédérico, laissons-les bavarder. Volontiers, excusez-nous. Je vous en prie. Vous prendrez bien quelque chose, commissaire. Et vous, monsieur Kramer, qu'avez-vous l'intention de prendre cette fois-ci? Un autre verre de champagne. Monsieur Kramer, puis-je me permettre de vous donner un conseil? Profitez de votre séjour pour admirer les merveilles de notre pays. Ne nous faites pas travailler trop. Nous sommes déjà débordés. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Disons que vous êtes ici en vacances et que ce sont de vraies vacances. Laissez-vous vivre et ne pensez à rien. Surtout, ne faites rien. C'est exactement mes intentions, commissaire. Champagne, jolie femme. Ah, cette fois, vous dansez, Sam. Allez. Oh, merci. Vous avez les mêmes moites. Oh, excusez-moi, Sally. Pouvez-vous me dire à quoi je pensais en vous regardant tout à l'heure quand vous dansiez? J'en ai une petite idée. Il vous plaît le collier que porte Rosanna? Celui qu'elle porte ce soir? Non, celui-ci est faux. Le véritable est dans mon coffre-fort. Il est à elle? Il est à moi. Ça vous plairait de le porter, Sally? Une fois de temps en temps et toutes les nuits dans votre lit? Vous préférez continuer à taper à la machine? Je m'ennuie quand je ne travaille pas. We don't see. Too bad we're alone. I'm tired of your leaving. So sick of my grieving. Mais qu'est-ce que t'as encore? Mon Dieu, Gina, je t'aime. Mais toi, tu finiras par me décourager. Tu as envie de coucher avec toutes les filles qui passent, même la secrétaire, sous prétexte qu'elle remue bien les fesses. Moi aussi, je sais le faire. Tiens, regarde.
plaît, ça? Permettez. Quel culot il a tout de même, ce type. Qu'est-ce qui lui a pris, tout à coup? Ben, votre façon de danser a dû lui faire l'effet d'une révélation. Qu'est-ce qu'elle a, ma façon de danser? Ah, de quoi contrarier la vocation d'un séminariste. N'empêche que c'est vraiment un sale type. Je trouverais bien quelque chose pour l'embêter. Excusez-moi, un mot à dire à quelqu'un. Je vous en prie. Sam! Je reviens dans un instant. Sally, champagne. Je voudrais donner à un ami les coordonnées de Williamson. Allez me chercher mon agenda dans le bureau. Maintenant? Mais oui. Oui, je voudrais s'en aller. Allez-y tout de suite, vous en avez juste pour un instant. Mais l'autre. Sam, vous me fuyez? J'ai été prendre un peu l'air. Seul? Mais oui, seul. Et si quelqu'un a profité pour voler les petites cuillères, je n'ai pas d'alibi. Monsieur Bertini! Monsieur Bertini! Monsieur Bertini! Qu'est-ce que vous avez? Vittorio! Enfin, je veux dire, Monsieur Conti! Il est dans le bureau, là, par terre! Que faisiez-vous dans mon bureau? J'étais venu chercher des cigares. Vous auriez pu me le demander. Il me l'a demandé, mais je n'ai pas trouvé utile de te déranger pour ça. Vous m'avez fait appeler?
Oui, on a ouvert le coffre-fort et volé le collier qui se trouvait à l'intérieur. Maintenant, ici? Oui, et Monsieur Conti a surpris le cambrioleur et celui-ci l'a assommé avec un vase. Comment était-il, ce voleur? J'en sais rien, il m'a attaqué par derrière. Monsieur Kramer, où est-ce que vous étiez pendant cette dernière demi-heure? Avec moi. Depuis le départ de Saline, nous ne nous sommes pas quittés. Vous pourriez le jurer? Oui, je pourrais. Mais enfin, Sally, vous n'avez vu personne qui s'enfuyait? Non! Je l'ai trouvé comme ça. Monsieur Bertigny a trouvé votre absence un peu longue. Logiquement, vous auriez dû apercevoir Monsieur Conti tout de suite en entrant. Je suis allée dans le bureau pour prendre un agenda. Il m'a fallu un certain temps pour le trouver. Et en sortant, là, je me suis retournée et je l'ai vu. Enfin, vous ne supposez pas, commissaire, que cette pauvre enfant puisse ouvrir un coffre comme celui-ci? Pourtant, ce coffre, quelqu'un l'a ouvert. Ah, ça, c'est indéniable. Les faits sont là. Je ne sais comment vous l'avez fait, quand vous l'avez fait, ni où vous avez caché ce collier, mais vous l'avez fait. Admirable déduction. De toute façon, le voleur a perdu son temps et gâché son talent. La présence de notre ami ici présentant quelques risques... Excusez-moi, mon cher Kramer, mais on ne prête vraiment qu'aux riches. J'ai pris quelques précautions. Tu portes le vrai collier, ma chérie. C'est la copie qui a été dérobée dans le coffre-fort. Alors, tout est bien qui finit bien, hein? Sauf pour le voleur, bien entendu. Mais vous êtes absolument sûr de ne pas vous tromper? Absolument, commissaire. Il est donc inutile de donner suite à ce petit incident. Donne-moi le collier, ma chérie, que je le remette à sa place dans le coffre-fort. Ça m'étonnerait que le voleur fasse une autre tentative ce soir. On ne sait jamais, il y a peut-être parmi nous un habile illusionniste. Venez, Vittorio, venez, je vais vous faire un pansement. Allez. Je vais rester dans cette pièce en attendant qu'un de mes hommes vienne me relever pour la nuit. Et nous allons surveiller la maison jusqu'au départ de tous vos invités. Et surtout de Sam Kramer. C'est ton sacré Kramer. Il m'a suivi, il m'a semé, il s'est servi. Et il sait que c'est moi qui ai ouvert le coffre. Ça m'étonnerait qu'il en parle à qui que ce soit. Lui seul est au courant de la substitution qu'on a faite. Bertigny et les autres sont persuadés que le voleur s'est emparé du faux collier. Chérie, tu veux encore partir avec moi pour l'Australie? Plus que jamais. Ce collier! Calme-toi! Je savais où je pouvais le négocier. Mais maintenant... Calme-toi, il est bien trop malin pour filer tout de suite. Et c'est une chance qu'il ait été volé par lui. Tu trouves? Avec Sam, on trouvera sûrement le moyen de le récupérer. Et si c'était pas lui? Mais qui veux-tu que ce soit? Police. Vous désirez. Si j'ai remis un peignoir, excusez-moi. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi. Bien au contraire, oui. C'est tellement transparent, ce machin-là. Oh, mais on ne s'en plaint pas, hein. Vous permettez que je prenne un bonbon? Oui. Quand je n'arrive pas à m'endormir, je suce toujours un bonbon. Je peux? Bien sûr. Et si vous n'avez pas sommeil, on peut prendre un verre, on peut bavarder un peu. Non, merci, j'ai pas soif. Ah. Et puis quelqu'un peut entrer et me trouver avec vous dans cette tenue. Oui, mais maintenant tout le monde dort. Hein? Ah, on ne sait jamais. Ah, vous savez, je n'ai pas le droit de dormir. Et maintenant que je vous ai vu, j'aurais du mal. Et offrez-moi au moins un bonbon. Ils sont très sucrés. Mais forcément, ce sont des bonbons. Ah, j'adore les sucreries. Ils sont bons, hein? Est-ce qu'il y en a un à la framboise? Non! Aïe! Excusez-moi, il n'y en a plus. Ils sont tous pareils. Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir.
joli à regarder, mais ça a une cervelle d'oiseau. Alors comme ça, on se lève la nuit pour manger des bonbons. Donnez-moi un, au moins. Vous aussi? Oh non, laissez-moi aller me coucher. Mais vous n'allez pas entrer? Si, si. Mais on n'entre pas dans la chambre d'une femme à moitié nue en pleine nuit. Bah pourquoi? C'est le meilleur moment. Vous ne croyez tout de même pas que je vais vous accueillir dans mon lit sous prétexte que vous avez retapé le courrier à ma place? Il est urgent que nous ayons une petite conversation, tous les deux. Bon, je veux bien vous embrasser. Mais rien de plus, hein? Après, vous vous ennuierez. Vous n'auriez pas dû faire ça. Ça ne vous plaît pas? C'est ça que je n'aime pas. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Vous le saviez? J'ai des yeux et des oreilles partout. Alors? Je ne sais pas, j'ai pas réfléchi. Vous avez fait ça comme ça. Mais laissez-moi tranquille. Mon petit, tout ça risque de vous causer pas mal d'ennuis. Vous n'allez pas leur dire, Sam. Vous n'allez pas me dénoncer. Ce serait mon devoir de bon citoyen. Mais moi aussi, j'ai fait mon devoir. Non, c'est un point de vue. Mais j'ai vu un voleur, je l'ai assommé. Oui. Seulement, lorsque vous avez trouvé le collier, vous vous êtes dit, il mérite aussi bien qu'à Rosanna. Non, Sam. Si je voulais, je l'aurais à la place de Rosanna. Bertini me l'a proposé. Mais je le déteste, Bertini. C'est pour ça que j'ai pris le collier. Rien que pour l'embêter. Et du même coup, vous vouliez innocenter Vittorio. Je comprends ça. Oui, il est joli garçon, Vittorio. Je m'en moque de Vittorio. Tout ce que je voulais, c'était voir la tête que ferait Bertini quand il ne trouvera plus son fameux collier. Sam. Sam, vous n'allez pas me dénoncer. C'est pas encore. C'est très vilain, ce que vous avez fait, là. Sam. Mais enfin, vous vous rendez compte des risques que vous avez pris en allant chercher cette bonbonnière sous le nez d'un flic? Ça, si on l'avait retrouvé avec mes empreintes dessus. Oh, ça vous menait tout droit en prison. Mm-hmm. Vous en preniez pour 10 ou 15 ans. Ça m'aurait beaucoup chagriné. Bien, alors aussi, il vaut mieux que je le garde. Mm. Faites attention, Sam. Je ne voudrais pas que vous ayez des ennuis à cause de moi. Vraiment, je ne voudrais pas. Cette fois, c'était pas seulement pour vous remercier. Un croquis vaut mieux qu'un long discours. Dommage que tu te sois donné tant de mal pour voler un faux collier. Tiens, je te le donne. Ça te fera un souvenir. Tu m'embrasses? J'aime les hommes d'action. Moi, aujourd'hui, et demain, un champion automobile. Mais pourquoi ne pas faire un petit essai tous les deux? Tu n'aimerais pas? Tiens, garde-le. Mets-le en sûreté, il peut toujours servir. Thank you.
C'est quand même autre chose que les ruines d'une HLM. Ah, c'est évidemment assez différent du centre Beaubourg. Pour remplir tout ça, dites donc, ça marchait le théâtre dans ce temps-là? Bah forcément. Les spectacles de gladiateurs avaient déjà beaucoup de succès. Oh, il me faudrait deux personnes là pour garnir le cadre. Voilà. Venez, Célie, allons-y. Très réussi ton numéro d'hier soir, bravo. Merci. Maintenant que nous avons apprécié ton exploit, tu me rends mon collier. Lequel, le faux? Tu en as la preuve? Non, mais celui qui a été volé, c'est le faux. Et alors, que comptes-tu en faire? Eh ben, je le garderai en souvenir, si seulement je l'avais. Tu as tout compris maintenant. Ne jouons pas au plus fin, ce collier, je le veux. Ah oui, ça, j'ai très bien compris, en effet. Tu ne veux pas me le rendre? Mais demande-le plutôt à celui qui a semé Victorio. Ce n'est pas moi. Tu as un complice dans la maison ou peut-être une complice? Enfin, voyons, Rosanna. Allons. Je suis un solitaire, moi. Venez, on va faire des photos dans le parc. Oui, on arrive tout de suite. Allez, viens, Rosanna. Ça, c'est très bon. Très, très bon. Ça va? Allez, on y va? Ouais. Vous n'avez pas froid? Non. Oh, moi, j'arrive pas à me réchauffer. Oh. Où avez-vous mis le collier? Ne vous inquiétez pas pour ça. Quand je pense que Victorio se balade avec nous comme si de rien n'était. Oh, vraiment, il manque pas de culot, ce voleur. N'y pensez plus. Il règne une vilaine odeur sur tout ça. Bien trop vilaine pour un aussi petit nez que le vôtre. Faites-moi confiance. Les méchants seront punis. Cette petite gourde, il est évident qu'elle lui plaît. Oui, peut-être pour une nuit. Je te dis qu'elle lui plaît. Une femme voit ça tout de suite. Je suis sûre qu'elle est dans le coup avec lui. Allez. Allez. Monte. Arthur, vite. Allez, assis. Là. Allô? Lui-même, oui. Vous êtes mal informé. Je ne l'ai pas. Il est dans le coffre de M. Bertini. Amenez-nous le collier, M. Kramer. Et je vous préviens, nous avons un expert parmi nous. Alors, pas de blague, ou la demoiselle va nourrir les poissons. Passez-la moi. Car j'ai autant confiance en vous qu'en un sac de vipères. Passez-la moi. Juste quelques mots et pas de phrases à double sens, compris? Allô, Sam? Oui, ça va. J'aimerais bien ne pas trop rester ici parce que... Tchip! Ils n'ont pas de Kleenex. Qu'est-ce que ça veut dire? Que j'ai envie de me moucher. Vous êtes convaincu? Alors faites vite. D'accord, d'accord. Eh oui, j'ai très bien compris l'adresse. Pas de police, bien entendu. Mais vous, faites très attention à la demoiselle. Ou alors, vous le regretterez. De mauvaises nouvelles? On a enlevé Sally. Pour l'échanger contre le collier. Pourquoi s'adresse-t-on à moi? Je suis pour rien dans tout ça. J'ignore ce qui s'est passé. Et puis je commence à en avoir assez de cette histoire. Surtout si c'est Sally qui doit en faire les frais. Maintenant, que comptez-vous faire? Décidez Bertini à faire l'échange. Il y va de la vie de cette pauvre enfant.
Ils menacent de la tuer si on ne leur donne pas le vrai collier. Mais c'est insensé. Je n'accepterai jamais de leur donner. Si, Bertini. Parce qu'on a essayé de vous rouler. Et vous savez très bien qui. Oui, je le sais. Rossana et Vittorio voulaient filer avec le collier. Mais c'est vous qui l'avez volé. D'où l'enlèvement de Sally par un de leurs complices pour m'obliger à le leur rendre. Seulement voilà. Je ne l'ai pas. Alors où est-il? Dans votre coffre. Je suis désolé. Maintenant, je peux vous dire qu'hier soir, j'ai menti. Rossana portait pendant la réception le faux collier. C'est lui que j'ai mis dans le coffre-fort. Non, Bertini. Lorsque Vittorio a été assommé, ils avaient déjà fait l'échange. Ils sont persuadés que c'est moi qui ai le vrai collier. Mais en réalité, il est là. Et vous voulez que je leur donne? Pour mieux le leur reprendre ensuite. Vous la voulez, votre petite revanche, oui ou non? D'accord, ils vont la voir. Mais cette salope va me le payer! Oh, Marjorie, Sam! Ne me posez pas de questions. Et faites exactement ce que je vais vous dire. Un petit baiser d'abord. Et avant toute chose, sachez que je garderai de vous le plus délicieux souvenir. Vous partez? Oui. Je ne reste jamais très longtemps au même endroit. Dommage. Mais vous pouvez me rendre un très grand service. Bien sûr, Sam. Quand vous me verrez partir avec Bertini, arrangez-vous pour vous trouver seul avec Vittorio. Faites-lui votre grand numéro de charme. Et puis, retenez bien ce que je vais vous dire. Ils y vont? Oui, avec le collier que Federico a remis dans le coffre-fort. Mais c'est le faux collier. Il ne croit tout de même pas qu'il va nous avoir aussi facilement, non? Si Sam avait eu le vrai, il n'aurait pas agi comme ça. Entre la vie de la fille et un collier, il n'aurait pas pris un tel risque. Alors il a dit la vérité. Il n'est pas dans le coup. On s'est tous fait avoir, Vittorio. Mais par qui, bon Dieu? Mais je ne sais pas, mais par quelqu'un qui a profité des circonstances. J'ai un problème avec ma chaise longue. Vous ne voudriez pas venir m'aider, Vittorio? Je suis désolée, Marjorie, mais je suis occupée. Oh, je peux te le shipper une minute? Rien ne nous presse maintenant, Vittorio. Je vois rien d'anormal. J'ai à vous parler, Vittorio. C'est pas le moment, Marjorie. Si je vous dis que c'est moi qui vous ai cassé le vase sur la tête, vous m'accorderez bien 5 minutes? Qu'est-ce que vous racontez? Je passais dans le couloir quand j'ai vu une petite lumière près du coffre-fort. J'ai tout de suite compris. Je suis entrée sans faire de bruit et boum! C'est vilain ça, hein, Vittorio? Je croyais que vous n'aviez pas quitté Kramer. Tout le monde le soupçonnait, ce pauvre garçon. J'ai voulu l'aider. J'ai un faible pour les hommes qui vivent dangereusement. Alors pourquoi m'avoir assommé? Un réflexe de femme honnête. Pas si honnête que ça, puisque vous avez gardé le collier. Mais j'ai été bien déçue quand j'ai vu qu'il était faux. Je n'arrive pas à croire que vous avez fait ça. Non? Il vous faut une preuve? Oui. Venez. Vous m'avez évité, comment dire, de faire une grosse bêtise. J'avais besoin de beaucoup d'argent, des dettes de jeu. Je veux bien garder tout ça pour moi, mais il faudra être aussi gentil avec moi qu'avec Rossana. Évidemment, je n'aurais pas à me forcer. Mais il faut se débarrasser de ça. C'est bien trop compromettant. Faites-en ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas que si ça avait été quelqu'un d'autre, Vittorio, j'aurais été moins discrète. Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu fais en maillot? Je vais prendre un bain pour calmer mes nerfs. Habille-toi tout de suite, regarde. C'est impossible. Où l'as-tu trouvé? Tous, tiens, c'était Marjorie. Je t'expliquerai plus tard. Allez, vite, on a juste le temps d'attraper l'avion. Rassurez-vous, nous sommes seuls et nous n'avons pas prévenu la police. Sally! Sally! Ça va, Sally? Oui, ça va. Soyez tranquille, c'est le vrai. Nom de Dieu, il faut sortir d'ici tout de suite. Bon, alors écoutez, finissez de la détacher, je m'occupe de la porte. Oui. Dépêchons-nous! Ça va vous coûter cher, cette histoire, monsieur Bertigny. Oui. Je suis désolée. Oh, rassurez-vous, il se rattrapera. Merci. Décidément, vous êtes un drôle de type. Allez, dépêchez-vous. Attendez-moi, je préviens le commissaire. Arthur! Arthur! Arthur, viens ici! Allô, le commissariat? Passez-moi le commissaire Orsini. Allô, commissaire Orsini, ici Bertigny. Arthur, viens ici, oui. Arthur, tu vas voir si je t'attrape. Arthur! Viens, Arthur! La police cerne l'aéroport. On y va. Vous êtes sûr qu'ils vont s'y retrouver? Nous sommes sur une île. Vous ne croyez pas qu'après ça, ils vont se laisser piéger ici, non? Mais enfin, expliquez-moi ce qui se passe. Je comprends rien. Ah non, ça serait trop long. Ils vont rater l'avion. En place. Vous êtes bien sûr de ne pas vous tromper. Je n'arrive pas à le croire. Vous le croirez quand vous l'aurez vu. Surtout, n'intervenez pas avant qu'ils aient remis le collier. Et il était temps, tenez. Tirez-vous. Ça, il faut bien tenir, vous a donné le faux. Oui, je vous dis qu'il vous a donné le faux. Allez, tirez. Parlez-vous. Je comprends pas. Mais si, allez-vous-en. Allez, parlez-vous. Tirez-vous, je vous dis, tirez-vous. Allez-y. Mais qu'est-ce qui vous prend? Allez. Lâchez-moi. Mais lâchez-moi. Lâchez-moi.
quoi je me mêle? Et s'il avait sorti son revolver? Ce sont les risques du métier. Ben justement, c'est quoi au juste votre métier? Les Bermudes en cette saison, c'est féerique. Il faut que vous voyez ça. Oh, vous ne doutez de rien, hein? Vous allez vous enrhumer. Frédérico, je ne voulais pas. C'est lui qui m'a forcé à ça. Embarquez-les. Merci. Sois sage, Arthur. Couchez. Je me demande ce que va devenir Bertini. Oh, oubliez ce vilain monsieur, c'est un affreux marchand de canon. Vous devriez vous couvrir, vous allez prendre froid. J'ai rien à mettre. Tenez, mettez ça. Ça vous réchauffera le cœur. Ah. C'est dommage qu'il soit fou, hein. Ah, non. Celui-là, c'est le vrai. Mais alors vous êtes un esthète, ma chérie. La preuve, voulez-vous m'épouser? Quoi? Ah, ça sûrement pas. Pourquoi? Vous n'aimez pas les chiens, n'est-ce pas, Arthur? Non, pas Arthur. Tu vas pas me faire ce coup-là. Un nonos tous les matins. Deux. Bon, allez, discute plus. Du caviar, ça te va? Alors, maintenant, je peux l'épouser.